Est-ce que vous êtes prêts pour une autre heure de show? Super. Mesdames et messieurs, maximum de bruit pour le groupe Khalam. Voilà. Salam alaikum, guys, team musicalement, Khalifa in the place. Bon, le look, ça va pas, mais la musique dedans, hein, mais nous on est mélomanes, tu vois, on est, on aime la musique du monde. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est, ça chauffe dans la salle, Vaillement du Goethe Institut, parce qu'il y a un groupe mythique qui est dedans, qui est en train de faire grimper la température. Je vais vous nommer le groupe Khalam, mais bien avant le groupe Khalam, hein, il y a eu Le Mort, et ça a été avec Milkos. Donc on va essayer, mesdames et messieurs, d'entrer dans la salle Vaillement du Goethe Institut, on va voir exactement comment ça se passe, l'ambiance dedans. Mesdames et messieurs, on est avec Milkos. Milkos qui a fait Le Mort aujourd'hui dans Musique et Mort. Donc on reçoit avant le concert un artiste, et aujourd'hui c'est un artiste de talent. Un designer du nom de Milkos, vous l'avez vu dans le reportage sur la page Facebook du Goethe Institut. Milkos, bonsoir. Bonsoir. Mais maintenant, dis-moi Milkos, quelles ont été tes impressions quand tu as vu la salle pleine, quand tu as présenté tes modèles? Ça t'a fait quoi? Juste du plaisir, hein, et de l'honneur, parce que si tu organises et que les gens répondent présent, c'est déjà un honneur pour que tu vois, de voir les gens te répondre présent à ton événement. Donc c'est déjà un honneur. En plus de ça, apparemment les gens ont montré un gros intérêt pour les chaussures. Les gens ont aimé les chaussures, ont aimé le travail. Tu as eu la visite aussi de l'ambassadrice d'Allemagne, hein, qui a été là. Voilà, mais elle, déjà, c'est la première qui a acheté une paire. Donc voilà, on est très très ravis. Déjà, non, c'est depuis hier, c'est vraiment des jours heureux. Hier, on a vendu au roi du Maroc. Il a pris, du coup, c'est la raison pour laquelle on n'a pas de 45. Il a pris tous les 45 qu'on avait. On t'a porté chance, on va dire, parce que musicalement, c'est aussi la chance. Voilà, voilà, oui. Franchement, vous m'avez porté chance, parce que voilà, donc là, alhamdoulilah, quoi, on va dire. Merci au God d'avoir pensé à moi pour cet événement, et déjà au Khalam, d'avoir pensé à me mélanger avec le Khalam, un groupe que je suis déjà fan. Donc ça peut être que cool, quoi. Donc en plus, les gens ont répondu présent. Donc franchement, chapeau au God. Super, merci à toi Milkos. Donc Milkos était dans le Musique et Mort, mesdames et messieurs. Et voilà, là maintenant on va essayer un peu de recueillir d'autres impressions, parce que Musique et Mort, c'est aussi des stars qui sont au Goethe Institut. Ce qui s'appelle Maria, moi. Ouais, c'est ça. Wallahi Mariama. Mariama, Maria, Mariama. Mariama. Wallahi Bondesa. Bondesa, Bondesa, Bondesa. C'est là. Mesdames et messieurs, c'est en train de monter la température dans la salle Vaillement du Goethe Institut. Et là, on va recueillir les impressions du chef de la maison. Donc, le chef de la maison, c'est en l'occurrence le professeur Dr Michel Yaisman. Allahu abillahu abillahu alaytalay. Allahu abillahu abillahu alaytalay. Tonight. Tonight, tonight. And tonight, it's gonna be hot. So hot, so hot. So, maintenant, dis-nous, monsieur Yaisman, on n'a jamais eu un concert de ce genre, on va dire, hein. Faut être franc. Hein. Et il faut dire que c'est le comble de tous les concerts qu'on a eu jusqu'à là.
On a eu Cherlo, on a eu des groupes d'Allemagne, on a eu des groupes du Sénégal. Et maintenant, on a le groupe mythique du Sénégal, le Khalam. C'est leur musique qui fait chauffer la salle. Vous êtes battus pendant 2 ans pour avoir de la musique de grande qualité. Avant, c'était Melody Mix, notre cher Melody Mix, qui ont tout fait, la salle, le matos, tout. Alors, c'est bien là qu'il faut regarder. Okay. Merci beaucoup. Bon, c'est là qu'il faut remercier, mais c'est toute l'équipe qu'il faut remercier. Ousmane à la caméra, Steph qui gère la page web, Facebook, etc. Segeya aussi, c'est tout le monde. Reçoit des invités de toutes les générations. Donc, monsieur, est-ce que vous pourrez nous dire exactement quelles sont vos impressions quand vous avez entendu le Khalam dans la salle Baïman du Goethe Institute? Bon, c'est un groupe que j'ai connu depuis les années 70, bon, alors que j'étais encore très jeune. J'aimais bien ce groupe. Bon, j'ai suivi bien le Khalam. Donc, aujourd'hui, je me rends compte que c'est un groupe qui est resté égal à lui-même. Une musique très, très recherchée et puis... Bon, pour nous, en tout cas, de la génération du Khalam, bon, donc c'est une musique qui nous plaît encore et qui peut-être nous plaira encore pendant longtemps. Donc, puisqu'ils étaient dans un centre culturel, là, j'ai dit que c'est une occasion pour moi d'aller revivre ces quelques moments, quoi. Merci beaucoup, monsieur, et bonne soirée. Ok, merci beaucoup. On est avec monsieur Henri Guyabert, le groupe mythique de Dakar, Khalam. Je ne me lasse pas de le dire, ils ont fait chauffer la salle Baïman du Goethe Institute. Ils ont fait danser tout le monde, toute génération confondue, même madame l'ambassadeur a dansé. Le directeur du Goethe Institute, n'en parlons pas. Monsieur Henri, quelles sont vos impressions? C'est ce que je demande à tous les invités du Goethe Institute. Mais c'est un plaisir parce que dans la mesure où, comme je t'avais expliqué avant, on a un lien affectif avec Goethe Institute. Il y a toute une histoire, l'histoire du Khalam est liée avec cet institut. Et donc, on avait, comme je t'avais dit, on avait prévu, on a eu plein de contraintes, mais on a pu honorer ce contrat parce que ça nous tenait à cœur aussi. Et cette petite salle-là, elle est tellement chaleureuse. En fait, on avait hyper chaud, mais c'était une bonne chaleur, comme on dit. Cette bonne chaleur, une bonne ambiance, les gens s'amusent, il y a une vibration. Nous, on ressentait un feedback qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. On a l'habitude de jouer dans de très grandes salles. Mais ces salles-là, c'est les plus intéressantes pour un artiste. Et je pense que c'est ça la force de la musique, en fait, qui est pensée, bien pensée. Elle n'a pas d'âge. Maintenant, on va un peu parler de Khalam. Qu'est-ce qui se prépare avec Khalam? Est-ce qu'il y a des projets ou bien un album ou bien... Parce que Khalam, c'est le summum, on va dire. Moi, j'ose le dire, c'est le summum. On a déjà terminé un album et en fait, on a des tournées justement avec cette version. Cette version, en fait, qu'on avait déjà utilisé en Europe pour certains concerts. Et c'est un style où on joue les morceaux de manière acoustique. Où, en fait, le tour, ce serait de le faire dans des salles moyennes pour qu'il y ait une bonne communication. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas la grosse artillerie. Les mélodies sont visibles, les chants, les gens les connaissent. Nous, déjà, on vous remercie, mais du fond du cœur. Toute l'équipe de Music & More vous remercie. Et donc, quels sont vos derniers mots pour le Music & More? Je vous encourage à continuer à faire des programmations et ça devient une sorte de communauté.
des gens qui aiment la musique, qui aiment l'art en général, qui viennent. Et c'est l'essentiel en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir une salle qui fait 6000 places, ou 1500. Une petite salle comme ça. Moi j'ai une petite, elle est grande parce qu'elle reçoit des grands noms. Il y a des grands qui sont dans la salle. Parce que quand on regarde, il n'y a pas n'importe qui en fait. Voilà, voilà. Exactement. Donc, bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup, M. Guillabert, donc Henri Guillabert, hein, claviste du groupe Khalam, mesdames et messieurs, vous l'avez vu, hein, ça a été en chaleur, la température a grimpé, mais beaucoup, beaucoup grimpé avec la musique du groupe Khalam. Donc le Team Music & More, c'est aussi la musique, notre passion, et le temple de la musique, c'était le Goethe Institut, et on a été fiers d'accueillir le groupe Khalam, et ça a été un honneur, et franchement, moi j'ai dit ce groupe-là, ça va aller loin. Donc rendez-vous le mois prochain, hein, dans Music & More, mais ce sera avec une fête où on va inviter tout le monde, on vous invite, M. Guillabert. Voilà, donc M. Guillabert viendra donc pour la fête de la musique du Goethe Institut. Alors, mesdames et messieurs, soyez au rendez-vous et au mois prochain. Salut, ciao. Sur la piste, s'il vous plaît. Madame Paul Ravray. Hey. S'il vous plaît, madame la passatrice sur scène. Eh ben, 10h de temps. S'il vous plaît, madame la passatrice, s'il vous plaît. 10h de temps. Merci d'être venus. On vous dit tous bonsoir. Vous êtes un public formidable.